Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 4 mars. Une journée de répit. Une journée de répit, enfin tout relatif en fait. Nous avons un seul et unique transit, la Lune passe en bélier. Mais étant donné la puissance de ce qui s'est joué durant la nouvelle Lune, nous sommes, aujourd'hui, nous avons la conjonction exacte Mars-Vénus-Pluton. Donc demain, elle sera encore active. Et samedi, nous avons la conjonction exacte Soleil-Jupiter. Donc, là encore, on est sur quelque chose qui relève de la nouvelle Lune. Donc, je vous encourage à aller voir mes vidéos. Et puis, on va voir là avec les cartes comment se traduisent ces énergies dans notre quotidien. Bon, alors vu qu'elle atterrit dans mes mains, traversée émotionnelle et nouvelle direction. Traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez, laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Nouvelle direction. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Pourtant, les circonstances sont réglées par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. La prêtresse orchidée du destin. La prêtresse orchidée de votre plus haute destinée vous appelle amie très chère. Elle s'intéresse à votre but, à votre voix et à la passion de votre âme. Vous êtes appelé à vous élever de plus en plus, à atteindre votre potentiel dans toute sa beauté et son originalité. Elle vous appellera toujours de sa douce flûte, jouant du fond de votre cœur, des fleurs d'orchidées et de chrysanthèmes tombant de ses pieds, vous poussant à combler la passion de votre âme. C'est non seulement une nouvelle direction, mais surtout une nouvelle direction concentrée sur ce qui nous passionne. La nouvelle lune qui nous transporte ici encore. Bon, nouvelle direction. Les cartes plus soi. Nouveaux efforts. Ouh. Réfléchissez à vos ressources, réfléchissez à la prochaine étape, réfléchissez à ce que vous désirez investir, à ce qu'il est nécessaire d'investir pour passer à la prochaine étape. 11, 14, donc justice, tempérance, équilibre, tout ensemble ça fait le diable, 2 de pentacle, as de pentacle, 2 de pentacle. Donc pour passer à la prochaine étape, il y a une carte. Faites attention. Hein. C'est vraiment ici vos ressources, la manière dont vous les investissez. Il est important de bien réfléchir à où est-ce que je veux attirer à moi. C'est là qu'il faut que j'exerce mon attention, mes ressources, mon action, mes paroles, quoi que ce soit la seconde étape. Réfléchissez bien à la façon de procéder. Pensez comment je progresse, comment ce que je fais va servir à édifier la suite. Parce que il y avait eu un exemple, je ne sais plus, dans un tirage, j'avais donné un exemple. Quand vous faites couler une dalle, il faut lui laisser le temps de sécher à cette dalle.
Si vous commencez à édifier la maison, que la dalle n'est pas sèche, les fissures qui apparaissent toujours pendant le séchage, hein, quand le terrain bouge au fil des saisons, seront encore plus importantes que si vous aviez laissé le séchage optimal. Donc, il faut penser constructif. Dans quoi j'investis mes efforts ? Il est hors de question que mes efforts soient trahis par un mauvais investissement. Je mets des ressources, ben voilà, je fais une dalle, mais j'attends pas qu'elle soit assez solide pour supporter ce que je veux construire dessus. Parce qu'il y a aussi ça comme risque. C'est que tout simplement, la dalle ne soit pas assez solide, elle n'a pas eu le temps de sécher, donc elle se déchire, elle se fend. Oh ! Ne vous laissez pas abattre par les discours. Battez-vous contre tous les discours qui pourraient... La transformation que vous mettez en œuvre, le fait de clairement commencer à poser des actions en direction de vos objectifs, c'est un électrochoc. Et il est fort possible, il va falloir vous battre contre des discours. Il va falloir tourner le dos aux personnes qui essaieront de vous décourager. Pour qu'il y ait de la transformation, ouais, on a la transformation en plus ici, ouais. Donc, ne vous laissez pas abattre par les discours que vous recevez, par les messages que vous recevez. Le 5 de bâton ici, c'est vraiment se battre contre ça, ne pas se laisser prendre, j'ai envie de dire, par les circonstances. 2 de bâton. Concentrez-vous sur la prochaine étape. La personne qui va vous dire « Oh, mais tu n'arriveras jamais à faire ça. Laisse-moi faire. Aujourd'hui, je fais ça. Demain, je ferai ça. Et dans un an, deux ans, trois ans, je serai là où je veux faire. Je veux être. » C'est concentrez-vous là-dessus. Faites ce qui est bon pour vous, ce que vous jugez être bon pour vous. Tenez-vous-en à ce qui, pour vous, est porteur d'avenir. À chaque étape, réévaluez votre investissement, réévaluez vos résultats, réévaluez objectivement ce que sont les choses. Les partenariats font peur, on a peur de passer justement à l'action de 3 de pentacle, 8 d'épée, de mettre en œuvre les prochaines étapes. 8 d'épée, vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant à tort, manquer de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. 3 de pentacle, suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière, soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré pour ses talents créatifs. Ça vient de me frapper. Être le meilleur dans son domaine. C'est quelque chose... C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà lu, que j'ai déjà entendu. Et j'ai jamais été dans cette démarche-là. J'ai envie que ce que je fais soit bien fait. Bien souvent, c'est pas à la hauteur de ce que je voudrais. Parce que je suis une perfectionniste et qu'on ne va pas se changer. Hein, moi, il y a une virgule qui ne va pas, ça m'énerve. J'essaye de lâcher du lest sur ça, mais je suis jamais tombée dans cette démarche là de me dire bah, tant qu'à être perfectionniste pour être la meilleure. Non, ça, j'ai jamais eu ce raisonnement là et c'est mis en avant sur cette carte, c'est amusant. C'est pas ce que j'aurais mis pour le 3 de pentacle d'ailleurs. Parce que c'est pas être le meilleur dans son domaine, le 3 de pentacle. C'est être apte à collaborer avec autrui.
Pensez en termes d'idéal. Réfléchissez en termes d'idéal. Restez concentré là-dessus. Le cœur se concentre sur ce qu'il désire. Il y a une traversée émotionnelle, mais elle sera sans doute liée finalement, j'ai envie de dire, à l'extérieur. Il va falloir vous battre contre le refus de certaines personnes de vous voir bouger. Parce que vous, on va prendre l'exemple de la grande maison de la vie. Vous avez toujours utilisé telle et telle pièce dans la maison de la vie. Si demain, vous décidez que telle pièce ne vous intéresse plus, vous ne voulez plus y passer du temps, c'est un endroit qui ne vous intéresse plus, déjà, ça va affecter les personnes qui étaient habituées à vous avoir dans cet environnement-là. Et qui plus est, vous ouvrez des pièces que vous n'avez jamais ouvertes. C'est, pour prendre un exemple, on le voit souvent dans des films, c'est quelqu'un tout d'un coup qui se rappelle d'une de ses passions et qui se met quelqu'un qui, je sais pas, on va prendre un exemple très américain, puisqu'on est, après tout, on est dans les clichés, j'avais démarré avec Dorine Virtue. On a quelqu'un qui est avocat, puis un jour se réveille, se dit « Oh, mais je voulais être chanteur de rock », et qui se met à révolutionner sa vie parce que, eh bien, dorénavant, il la répète 3 fois par semaine et il a concert dans un bar miteux le samedi. Forcément, son environnement ne va pas être d'accord, mais comme on le voit souvent dans ces types de récits qui sont, je vous l'accorde, très manichéens, hein, le Deus Ex Machina, les Américains, ils ont compris le principe, ils l'appliquent dans tous leurs feuilletons. D'un autre côté, voilà, il se met à rencontrer des gens qui aiment la musique. Mais parfois, il ne devient pas chanteur de rock, il devient juste producteur de disques. Parce qu'il a découvert un artiste et que... Vous voyez, on peut tomber dans un truc un petit peu original, c'est vrai. Mais l'art imite la vie. C'est des scénarios qui sont simplistes, certes. Mais la vie, elle est simple. C'est comme je le dis souvent. On peut s'accommoder du fait que moi, j'adore le poisson, je suis avec quelqu'un qui n'aime pas le poisson. Et quand je fais du poisson, il s'en fout, il me regarde manger mon poisson, puis il se mange son bout de viande. C'est pas un problème. Ça le devient si cette personne vous interdit de manger du poisson. Ça le devient si vous ne voulez manger que du poisson, que cette personne ne veut manger que de la viande, et vous finissez par pas plus prendre vos repas ensemble parce que c'est devenu invivable. Il y a forcément des décisions qui ne seront pas acceptées par les autres. Mais ça ne veut pas dire que leur refus de l'accepter doit devenir une difficulté. C'est très bien, mange ta viande, je mange mon poisson. Je te demande pas d'en manger, il est pour moi le poisson. C'est aussi évident que ça, le poisson il est pour moi. Pour moi c'est un plaisir, je préfère le finir ce soir. Mais pourquoi je t'obligerai à en manger que t'aimes pas ça? Vous voyez, posez la limite. Moi, mon projet, c'est mon projet. Je te demande pas de faire les choses à ma place. Mais oui, effectivement, on peut se voir moins. Ça, il faut l'admettre aussi. Comme je n'irai plus dans tel secteur de ma vie qui ne m'intéresse plus, je suis désolée, c'est là que nous nous rencontrons d'habitude, il va falloir qu'on se rencontre ailleurs. Ça peut aussi... vous faire bouger des relations qui s'étaient sclérosées avec le temps. On ne se voit que dans telles occasions. Ça va être l'occasion, vu que je ne veux plus de ce genre de situation dans ma vie, par contre, si tu veux, on peut se voir différemment. Dans un autre cadre plus agréable, plus épanouissant. Restez concentré sur le bien-être. Le bien-être est un excellent indicateur de « je fais les choses de la bonne façon et je les fais de la bonne manière et je les vide au bon endroit ». C'est une espèce de nébuleuse, le bien-être. C'est-à-dire que moi, il y a des choses qui me mettent dans le bien-être qui ne seront pas les vôtres. C'est pour ça que c'est difficile à formuler et que je préfère rester dans ce concept valise de bien-être. C'est bon an, mal an ce soir. Comme je veux que mon cerveau se concentre sur des choses positives, je dresse une liste de tout ce pourquoi je suis dans la gratitude de mon quotidien.
Et plus vous allez délibérément vous faire plaisir et rajouter des activités dans votre journée qui le soir peuvent vous dire « Je suis contente d'avoir mangé un gâteau au chocolat. Je suis contente d'avoir pu lire. Je suis contente d'avoir pu appeler cette personne. Je suis contente d'avoir pu aller à tel rendez-vous. Je suis contente. » C'est ce qui vous plaît à vous. C'est votre bien-être. Mais l'indicateur doit rester au maximum. Et c'est, il faut rester concentré sur ça. Il faut que votre réflexion, demain j'ai 24 heures d'une journée, comment je la répartis? Comment je la répartis pour que, bon an, mal an, le soir je me dise, oh, j'ai progressé. Je suis dans le bien-être. Bon, il y a des choses, on a toujours des épines dans le pied, ça, toujours des trucs qui nous font mal au dos, par exemple, quand on est couché. Donc, voilà, c'est normal. C'est ainsi. Mais il faut avoir plus de choses positives sur lesquelles se concentrer. Et il faut se dire, demain, c'est une nouvelle journée où je vais progresser vers mieux, plus, plus loin, plus grand, plus de ce que je veux. On a vraiment un processus ici, astrologique, qui soutient ça, qui soutient... C'est, il y a eu une rampe de lancement, ça je sais que je l'ai employé plusieurs fois, c'est là depuis 2 mois, enfin janvier-février, ça y est, en mars, Marine. Il y a une rampe de lancement. Bon, après, moi comme je le dis toujours, moi je suis en train de réévaluer certaines choses. Je suis en train de réévaluer certaines choses de l'engagement vis-à-vis de la chaîne, parce que c'est vrai que le tirage quotidien me bloque au niveau du temps. Ça me demande de l'énergie. Il y a des jours où je suis très fatiguée. Bon, là maintenant, c'est devenu plus routinier, donc... Bon, normalement, j'y arrive. Et puis mes enfants sont à l'école aussi. C'est toujours... leurs vacances sont plus difficiles. Aller bloquer la matinée, silence, etc. Bon. Mais c'est vrai que je suis en train de réévaluer certaines choses. Parce que... Je veux bien... Je veux fournir ces outils. Mais le problème, c'est que je ne peux pas me mettre en danger, moi. Donc je me dis, c'est moi je suis en train de me fixer une espèce de... Et puis là, en plus, c'est la pleine lune en vierge. Donc je pense pas que je vais évoluer dans mon idée. Mais, ouais. Je dois avouer que si, par exemple, les tirages défis, j'ai pas plus d'achats, c'est-à-dire de personnes qui les visionnent réellement, je vais réfléchir à diminuer le nombre de tirages. Parce que il faut qu'il y ait un équilibre qui se crée entre ce que j'investis et ce dont j'ai besoin. C'est un équilibre qui est toujours difficile à atteindre, et il est aussi très difficile d'atteindre cet équilibre dès qu'on rentre dans une équation de relation à l'autre. Bon, il y a des jours où je vois bien dans le regard de mes enfants, « Maman va encore faire une vidéo. » Alors oui, je m'adapte, j'attends qu'ils sortent. Bon, manque de peau depuis 2 ans, j'ai beau avoir des adolescents, ils sont pas beaucoup sortis. Mais malgré cette adaptation me fatigue, et eux, je bloque la maison quand j'enregistre. Donc je comprends aussi qu'ils se disent, ce serait pas plus mal qu'ils s'investissent dans d'autres projets. Plus stable financièrement et puis avec des horaires plus extérieurs et donc plus stables aussi. Ouais. Pourquoi j'en suis venue à penser à ça? À cause de l'équilibre. L'équilibre. Prenez en considération l'avis de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Le 10 de coupe, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élevez des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme, la foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager de temps plus difficiles. Et le chevalier de pentacle, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres.
chevalier de coupe. En tout cas, ça se maintient dans les cartes. Là, en plus, on est au lendemain de la nouvelle lune. Donc, bon. La reine de pentacle et l'as de bâton. Ça se maintient dans les cartes. On commence vraiment à... Enfin, on commence. On a cette persistance des chevaliers. L'idée qu'il faut agir. Le 5 de pentacle au dos. Ça va être difficile hein, de croire à ce nouveau départ. Les plans ont souvent échoué. Le cœur, il a du mal avec ça. Mais il va falloir y croire. Ici, c'est la foi. Moi, j'en reviens à la foi, à la confiance. Ce qu'on a eu ces derniers jours. Il faut avoir foi, confiance. Il faut rester concentré sur j'attire ce à quoi je dédie mon attention. Donc, rester concentré sur ce qu'on veut attirer. Sur ce que l'on veut développer. As de pentacle, as de bâton. Il faut réellement croire profondément au projet ici. C'est ça la prochaine étape. C'est de se dire, je vais le faire. Et c'est se lever en se disant, c'est aujourd'hui que je commence. La nouvelle lune, elle doit servir à ça, à dire, je vais faire ça. Et là, on est dans les jours où je me lève le matin et je le fais parce que je l'ai décidé. Nouvelle direction, prêtresse orchidée du destin. Il y a un appel, et plus vous suivrez cet appel, la flûte. Ça me fait penser au joueur de flûte de Hamelin. Oui, je sais, ça se finit pas bien. Mais l'idée est intéressante parce que ça, c'est la prêtresse orchidée du destin ici qui joue de la flûte. Donc elle est là pour vous emmener là où vous devez aller. Il faut juste suivre le mouvement, il faut juste suivre le courant. 5 de pentacle, demandez de l'aide autour de vous, mauvais timing pour un changement de carrière et problèmes financiers. Il va y avoir des difficultés. Et c'est la détermination que nous allons montrer, c'est la persévérance, la foi et la confiance que nous allons montrer qui vont faire la différence. Moi, c'est à ça que je me raccroche, hein, je dois l'avouer. C'est une conviction que j'ai en moi. Et vous voyez, les cartes l'alimentent. Que le fait de vouloir bien faire et d'y travailler jour après jour finit par amener les résultats. Coup de foudre, être sans dessus dessous, il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Reine de pentacle, soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez, rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Et as de bâton, il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellentes opportunités de carrière. Restez concentré sur ce qui est positif à vos yeux. Même si, pendant que vous réfléchissez, pendant que vous commencez à agir, hein, que vous commencez à mettre en œuvre les choses, il y a des messages négatifs, tu n'y arriveras pas, oh, tu ne seras jamais capable, oh, c'est pas le moment de faire ça. Abandonnez ces messages pour ce qu'ils sont, laissez-les flotter, ne les recevez même pas, évitez-les. N'écoutez pas ce discours-là. D'ailleurs, vous voyez, le 10 d'épée vient transpercer le chevalier de coupe. Nous sommes désireux. Au fond de nous, nous sentons que c'est le moment. Et il y a des messages qui viennent pour nous dire « Oh, qu'est-ce que tu fais, toi ?» Soyez créateur de votre propre harmonie. 10 d'épée, 7 de coupe, 4 de bâton. Il va falloir y croire, il va falloir... Il y a quelque chose qui se termine. Les 10 ici, c'est pour dire qu'il y a une époque qui est révolue et qu'il faut réactiver toute votre réflexion sur quelle est la prochaine étape. Et plus vous resterez concentré sur ça, sur les opportunités, et plus vous mettrez en œuvre ce que vous désirez. Ça nous a immobilisés trop longtemps ici. Maintenant, il s'agit d'y croire. Il s'agit de passer à l'étape suivante. On a la justice ici, comme on l'avait ici. Et je n'avais pas regardé, on a la liberté. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Roi de bâton, force, soleil.
L'heure est à la transformation. Mais pour ça, il faut juger que le moment est venu de cette transformation. Il faut commencer à la mettre en œuvre. Il faut admettre les choses une bonne fois et partir dans cette nouvelle direction. Répondre à l'appel. C'est une renaissance qui est appelée à être durable dans notre vie. C'est une renaissance qui nous offre les moyens de progresser vers notre but, vers ce que nous désirons vraiment. Il nous faut admettre que les choses sont ainsi. C'est, je vous le répète, un acte de foi, de courage, de confiance. Pourquoi ? Parce que c'est fini. Et si, et pourquoi, et pourquoi ? Parce que les choses sont ainsi. Parce que pour un effet, il y a toujours un contre-effet. Une fois qu'on admet ça, on perd beaucoup moins de temps en pourquoi, et si. Alors c'est vrai que Paris n'est toujours pas en bouteille, mais Paris ne pourra pas être mise en bouteille. Donc, pourquoi vous essayez ? Tiens, là c'est un pourquoi utile. Accueillez cette opportunité de passer au niveau suivant, de réellement progresser, de prendre les choses en main et de tenir les rênes fermement. Restez concentré sur vos objectifs. Les occasions de progresser, d'avancer, elles vont foisonner. Mais si vous tournez au rond-point, rien. Si vous prenez la route et que vous regardez autour de vous, là, vous allez trouver des choses. Donc, il faut avancer, il faut progresser, il faut faire des choix clairs qui vous permettent chaque jour de dresser le bilan de votre journée. Très bien, j'ai fait ça. Demain, il faut que je fasse ça. D'ici la semaine prochaine, il faut avoir fait ça. Pensée constructive. Une fois que vous avez fait cette pensée constructive, pensée optimiste. Je suis content de moi, j'ai réussi ça. Bon, là, je suis pas très content. C'est pas grave, c'est une chose à laquelle je vais remédier demain parce que j'ai eu une nouvelle idée. Pensée résiliente. C'est pas quel est le problème, non, c'est quelle est la solution. Vous allez libérer tout un monde de réflexion, simplement en faisant évoluer votre réflexion. Et beaucoup de choses vont devenir tellement évidentes que ça en deviendra plus facile. Plus facile à admettre. Je suis ici, je veux aller là. Ok, le chemin il est clair. Parce que, autant notre cerveau, vous savez, je vous avais expliqué que notre cerveau, il avait tendance à se concentrer sur ce qui est négatif. Mais le cerveau est un muscle. Et forcément, comme tout muscle, il a une mémoire musculaire. Si vous le forcez à penser en termes solution, en termes constructifs, positifs, à chaque fois que vous serez dans une situation, il y aura la petite voix que vous avez domestiquée, que vous avez bien dressée, qui va dire « Bon, bah c'est pas grave, là, manifestement, on ne peut plus rien faire. On va laisser ça de côté. Et demain, on s'adresse à la personne pour réparer. On téléphone au service de je sais pas quoi qui peut remédier aux difficultés. Je recommencerai avec de nouveaux instruments parce que là, j'avais pas les outils qu'il faut et c'est pour ça que j'ai ce résultat-là. La petite voix, elle vous trouve des connexions parce que vous l'avez lancé à la recherche des connexions. Le cerveau, ça s'éduque. Si face à un verre à moitié plein, vous avez toujours réfléchissé en vous disant
comment je peux optimiser l'utilisation de cette eau. Il y a sûrement une plante chez vous qui est constamment arrosée et qui s'en porte très bien. Si à chaque fois vous avez laissé le verre prendre la poussière, vous l'avez balayé d'un revers de main, vous l'avez vidé dans les toilettes, à chaque fois que vous verrez un verre à moitié plein, vous le prendrez, vous le viderez dans les toilettes. Vous avez dit à la petite voix, au petit muscle dans votre cerveau, c'est la meilleure solution. Il ne va pas en chercher une autre. C'est des petites choses. C'est des petites choses qui font des grands effets. C'est votre décision de vous concentrer sur la lumière qui fait que beaucoup de choses sont beaucoup plus claires. Il y a des choses à admettre. Ça, c'est ce qui crée une traversée émotionnelle, c'est ce qui crée une difficulté. Forcément, nouvelle lune, moi je vous en parle avec enthousiasme, parce que c'est celle qui lance l'année. C'est, bon, déjà, elle lance l'année astrologique, on va arriver sur le bélier. Mais qui plus est, astrologiquement, on a stagné les premiers mois. Il y a des rétrogradations pour démarrer. On démarre quoi avec des rétrogradations? Pas grand-chose. Là, les énergies, elles évoluent, comme je l'ai dit tout à l'heure, rampe de lancement. Mais j'en ai bien conscience. Je vous tourne vers les portes qui se sont ouvertes, et il y en a un certain nombre de vous qui regardaient par-dessus leur épaule en disant « Oui, mais celle-là, elle est fermée !» Oui, ça, j'y peux rien. Les cartes n'y peuvent rien. Si ce n'est vous dire « Mais oui, mais... Oui, on sait, elle est fermée. » Là, ouvert. Joli, ouvert, hein. C'est joli. Puis t'as vu, il y en a une autre, là. C'est comme ça, d'ailleurs, que, concentré sur ce que l'on fait, on tombe sur d'heureux hasards. Je compte m'occuper de ce domaine de ma vie. Quand je arpente ce domaine de ma vie, j'y trouve la pièce secrète, je finis par déceler que, cet endroit-là, il devrait y avoir une pièce. Je trouve la pièce secrète. Mais pour ça, il faut se concentrer dessus. Et là, on trouve le trésor. Je l'aime bien, cette image-là. Parfois, je me dis que je devrais tout lâcher et me remettre à écrire, tout simplement. Selon ce que vous déciderez d'entreprendre, l'univers vous enverra ce dont vous avez besoin et le lâcher-prise se fera de lui-même. Comme je l'ai dit, à partir du moment où vous passerez une porte, il y en aura d'autres qui vont se fermer. Mais chaque porte qui se ferme, c'en est d'autres qui s'ouvrent devant. Et souvent, c'est des multipliés qui plus est. Vous dites au revoir, je ne sais pas moi, une situation, ça vous ouvre des possibilités dans plusieurs autres situations. Parce que le temps que vous passez plus à l'endroit en question, vous en passez plus là, vous en passez plus là, vous en passez plus là, et même là, où vous alliez très rarement, vous y allez plus régulièrement. Donc il y a des nouvelles possibilités qui vont se créer dans les autres sphères. C'est en ancrant ça dans notre réflexion, c'est en faisant de cela une règle de réflexion. Les choses sont ainsi, by the book. Il y a beaucoup de questions qui disparaissent d'elles-mêmes. Il n'y a plus d'heures passées à se demander pourquoi. Parce que c'est ainsi. Et ça permet de faire des... De réfléchir de manière plus constructive. Comme je le dis souvent. Ça, je vous le dis. Tout bout de champ. Qu'est-ce que vous pouvez faire et réussir? Concentrez-vous là-dessus, déjà, pour commencer. Qu'est-ce que vous pouvez faire et réussir? Concentrez-vous déjà là-dessus, pour commencer. Et fort de cette victoire-là, passez à la suivante. Ah oui, la réflexion, elle change tout d'un coup. Remarquez les signes et conseils fiables. Soyez attentifs, restez concentrés parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et toute l'astrologie, tous les tirages de cartes vont dans cette direction-là. C'est quelles sont tes intentions? Parce que selon si elles sont bleues, vertes ou rouges, tu auras un paquet de la couleur bleue, verte ou rouge.
Donc, il faut le dire. Il faut dire la couleur que vous voulez. La couleur des choses. La couleur de vos sentiments. La couleur de vos envies. Remarquez les signes, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Conseiller fiable, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.